Histoire de la Royal Air Force. La Royal Air Force est née le 1er avril 1918, lorsque le Royal Flying Corps et le Royal Naval Air Service furent réunis au sein d'une même formation. Au jour de sa création, la RAF était au cœur d'une période dramatique, celle du plus sanglant conflit de toute l'histoire de la civilisation. Depuis ce jour, la RAF a toujours été totalement opérationnelle, sans interruption. Cette histoire de la RAF est celle d'hommes et de machines. Elle s'étend de l'ère des pionniers et de leurs avions en bois et en toile, jusqu'à l'ère actuelle de la sophistication et de l'informatique. Mais ce qui prédomine dans cette histoire, c'est l'esprit combatif qui a animé les hommes de la RAF. Les avions ne sont qu'une partie de cette histoire. Ils ne peuvent fonctionner sans l'homme qui appuie sur le bouton ou bascule le premier interrupteur. Ce récit est celui de leur devoir, de leur courage et de leur abnégation. Et par-dessus tout, celui de leur sacrifice. C'est aussi celui de nombreux triomphes sur les obstacles les plus difficiles. Il y a un vieil adage qui dit « Les vieux déclenchent les guerres, les jeunes la font ». Les jeunes, hommes et femmes de la RAF, ont tout au long du siècle magnifiquement servi leur patrie. Pendant la Première Guerre mondiale, l'utilisation d'avions comme arme a rapidement pris de l'ampleur. Alors que l'armée britannique était assez sceptique à propos des premiers escadrons du Royal Flying Corps, doutant de leur efficacité au combat, leur valeur est vite devenue évidente. En 1917, le RFC et le RNAS avaient pris de l'ampleur. Compte tenu de leur développement futur, se posait le problème de leur organisation. Le ministère de la Guerre et l'Amirauté pensaient respectivement mériter la mainmise sur l'aérien. Le Premier ministre, Lloyd George, en décida différemment et s'inspira de recommandations émises par une source impartiale. Son choix fut celui édicté par l'Africain du Sud, le lieutenant-général Jan Smuts. Dans son rapport d'août 1917, Smuts recommandait la mise sur pied d'une organisation indépendante, avec un ministère de l'air et un état-major à part. Ce rapport fut approuvé par le ministère de la Guerre. Un décret fut rédigé et présenté devant le Parlement. Le 1er avril 1918, avec la nomination du major-général Sir Hugh Trenchard comme premier chef d'état-major, la Royal Air Force était née. Pendant les 7 derniers mois de la guerre, la RAF a combattu avec acharnement, principalement contre les chasseurs et les bombardiers allemands. En juin 1918, une force de bombardement indépendante fut formée au sein de la RAF pour lancer de nombreux raids de bombardement stratégique à longue distance. Bien que ces attaques étaient relativement légères par rapport aux standards actuels, elles permirent de poser les bases de la doctrine que la RAF utilisa pendant de nombreuses années. Au mois de juillet, l'essentiel de l'offensive allemande avait été contenu et quelques squadrons de la RAF furent déployés en Italie afin d'épauler les armées qui affrontaient les Autrichiens. Les Alliés lancèrent une offensive générale en septembre 1918 et les ressources allemandes presque épuisées et les défenses autrichiennes affaiblies, la reddition n'était plus qu'une question de temps. Les Autrichiens en acceptèrent les termes le 3 novembre. Les Allemands suivirent en signant l'armistice le 11 novembre. Le carnage de la Grande Guerre était enfin terminé. À ce moment, la puissance de la RAF se montait à environ 27 500 officiers et 264 000 hommes du rang. Il y avait également 25 000 femmes dans le corps féminin de la RAF. Les squadrons avaient reçu 22 500 avions, dont 3 300 étaient encore sur le front, et plus de 100 dirigeables. Cet arsenal conséquent, nécessaire en temps de guerre,
ne pouvait plus être maintenue en temps de paix. Dans la dépression, juste à la fin des combats, la plupart des squadrons furent dissous. Les hommes et les femmes furent démobilisés et même le chef d'état-major, Hugh Trenchard, perdit son poste. Des milliers d'avions furent détruits ou vendus, quand c'était possible, pour être reconvertis à des fins civiles. La force de bombardement indépendante fut démantelée. Les importants contrats avec les constructeurs dénoncés. De nombreuses compagnies impliquées dans l'industrie aéronautique durent faire face à un futur sombre, allant de fermeture en liquidation. La force de première ligne, qui restait alors, était divisée en trois groupes séparés. La zone nord, la zone sud, la zone côtière. Le futur de la RAF en tant que troisième force militaire anglaise était assombri par des doutes. Un danger existait de voir la RAF démantelée et ses escadrons affectés à l'armée ou à la Navy. Ce fut Winston Churchill, un homme qui avait affirmé publiquement qu'il détestait la guerre aérienne et les bombardements des populations civiles, qui sauva la RAF. Lorsqu'il fut nommé secrétaire d'État à la guerre et l'air en janvier 1919, il montra ses irréfutables qualités de visionnaire en invitant Sir Hugh Trenchard à reprendre son poste de chef d'état-major. Trenchard était un commandant hautement déterminé et avec un fort souci de l'objectif. Il lança rapidement un plan permettant aux structures de la RAF d'être permanentes. Trenchard, réinstallé à son poste, réalisa rapidement que l'intérêt et le soutien du public étaient indispensables pour la survie de la RAF en temps de paix. Dans un de ses coups d'éclat en matière de relations publiques, il organisa le premier meeting aérien de la RAF le 3 juillet 1920. Ce meeting ne pouvait pas mieux tomber, car l'intérêt du public pour l'aviation n'avait jamais été aussi fort. Alcock et Brown venaient d'effectuer leur traversée de l'Atlantique avec escale sur un Vickers Vimy. La RAF avait enchaîné en effectuant un aller-retour sur le même trajet avec un dirigeable. Après quoi, un équipage de 4 hommes, dans un Vimy modifié, avait rejoint l'Australie depuis l'Angleterre. Le public s'est donc rendu au meeting de Hendon par milliers et fut stupéfait par l'habileté des pilotes de la RAF qui enchaînaient les séances d'acrobatie aérienne, de bombardements simulés ou de vols en patrouille serrée. La RAF avait gagné le cœur du public et le spectacle de Hendon devint un événement annuel avec une foule grandissante d'édition en édition. Avec un futur un peu plus assuré, Trenchard pouvait dresser ses plans à plus long terme. En 1927, Trenchard devint le tout premier marshal de la RAF. Et 2 ans plus tard, il prit une retraite bien méritée. Mais la RAF ne pouvait se permettre de se passer des services d'un homme qu'il avait construit à partir de rien. On prit rapidement une résolution, celle de s'assurer de ses services jusqu'au bout. On décréta que les titulaires des plus hauts grades ne pouvaient pas prendre de véritables retraites mais demeuraient actifs pour le reste de leur existence. La place de Trenchard fut prise par un de ses lieutenants, Sir John Salmond, mais son commandement fut court et sans histoire. En 1933, Sir Edward Ellington le remplaça. Bien qu'Ellington n'eût pas le charisme de Trenchard, il a certainement joué un rôle clé dans l'histoire de la RAF. Il s'avéra être un chef d'état-major brillant qui présida la révolution technologique préparant la RAF à la Seconde Guerre mondiale. En 1934, les plans qui prévoyaient une force de 52 squadrons n'avaient pas encore été complètement atteints, car seulement 42 avaient été formés pour une force de première ligne de 488 avions. En dépit de l'opposition de la Chambre des Lords, le gouvernement décida d'un programme d'expansion. La RAF devait aussi vite que possible compter 75 escadrons supplémentaires et dans les 5 années suivantes atteindre 128 squadrons. Cette politique était menée avec la conviction que le bombardement aérien pouvait gagner une guerre à lui seul et que la Grande-Bretagne devait être capable de mener des attaques puissantes. La RAF, jusqu'à cette période, était principalement équipée de biplans, les militaires pensant qu'ils étaient plus sûrs que les monoplans construits pour les compagnies aériennes civiles. Cependant, sous le commandement d'Ellington, la situation avait commencé à changer et la RAF commença à introduire de nouveaux avions dans ses rangs. Les squadrons prenaient livraison d'avions plus rapides et plus lourds, tels que le Wellington, le Hanson, le Whitley, le Hamden, le Lysander, le Blenheim et l'hydravion Sunderland. Le prototype du Wellington fait son vol inaugural en juin 1936, à partir de l'usine Vickers à Brooklyn, après 3 ans de mise au point par l'ingénieur Barnwallis.
Les commandes suivirent rapidement et la version Mark I entra en service en décembre 1937. L'objectif de Vickers était de sortir un avion neuf chaque jour et, comme la demande augmentait, de nouvelles usines furent construites à Chester et Blackpool, permettant d'atteindre une production de 180 avions par mois. Pendant la guerre, ce chiffre monta à 300 par mois. Au cours de la production, des modifications furent apportées et tout au long de sa carrière, le Wellington connut différentes versions. La motorisation évolua, passant de moteurs de 850 chevaux à des moteurs de 1600 chevaux, permettant d'emporter une charge de bombes largement plus importante. Le Mark I, avec un équipage de 6 hommes, volait à 420 km/h, à 15 000 pieds sur 4800 km. La première version de bombardement entra en service en octobre 1938 et fut livrée au Squadron 99 de Mildenhall. Au déclenchement de la guerre, environ un an plus tard, la RAF n'avait pas moins de 6 squadrons de Wellington. En moins de 24 heures, ils entrèrent en action lors de la première attaque de la RAF contre l'Allemagne. Solide et fiable, le Wellington, affectueusement surnommé Wimpy, était utilisé par les bombers, les Coastal et Transport Command. Utilisé sur tous les théâtres d'opération, il était particulièrement polyvalent et il était inégalable. Facile à entretenir et disposant de bonnes performances, combiné avec la grande solidité de sa structure géolithique, le Wellington était très apprécié de ses équipages. En 1945, environ 11 500 avions avaient été construits, mais bien avant que le dernier ne sorte des usines Vickers, le Wimpy avait assuré sa place parmi les grands avions de l'histoire de la RAF. L'état-major du Bomber Command a décidé de lancer un raid massif de plus de 1000 bombardiers. Pour atteindre ce chiffre, ils ont puisé dans les unités de seconde ligne. Et donc on s'est retrouvé en opération alors qu'on était encore en unité d'entraînement. L'une des choses amusantes, c'était qu'il avait une bonne autonomie. Mais ses moteurs étaient gourmands et les réservoirs d'huile n'étaient pas suffisants. On avait donc des bidons d'huile dans le fuselage et un des boulots de l'opérateur radio était à certains moments du vol de compléter les réservoirs d'huile des moteurs. Pour ça, il avait une pompe manuelle dans le fuselage et il devait descendre dans l'obscurité pour l'atteindre. Ça a inspiré pas mal de chansons de bar. Le Bristol Blenheim était apprécié par ses équipages, au moins autant que le Wellington. Cet appareil révolutionnaire a été conçu par Lord Rothermere au début des années 30, mais pas comme avion de combat, mais comme avion personnel ou d'affaires à haute performance. Quand la RAF a pris livraison des premières versions militaires en 1937, il était alors le plus rapide et le plus moderne des avions en service. Deux ans plus tard, au début de la guerre, plus d'un millier était en service, ce qui en faisait l'appareil le mieux représenté dans l'arsenal anglais. Principal avion de la force offensive anglaise, le bombardier bimoteur devait supporter l'essentiel des premiers combats. Mais la technologie aéronautique était en pleine accélération dès le début de la guerre. Le Blenheim fut vite totalement dominé par les chasseurs allemands. De ce fait, les pertes des Blenheim pendant les deux premières années de la guerre furent simplement effrayantes. Souvent envoyés dans des missions pour lesquelles leurs machines étaient inadaptées, les équipages de Blenheim ont subi les pertes les plus lourdes de tous les équipages de la RAF de la Seconde Guerre mondiale, tous avions confondus. Mais en dépit de ces lourdes pertes, le Blenheim conserva la confiance de ses équipages et continua à jouer courageusement son rôle, pas seulement comme bombardier, mais aussi comme chasseur, effectuant ses missions de jour comme de nuit. Les exploits de cette machine élégante furent nombreux et remarquables. Il fut le premier avion britannique à franchir la frontière allemande et à effectuer la première attaque contre un navire de guerre allemand, l'Admiral Scheer. Il fut le premier avion à prendre part à une offensive aérienne et le premier à mener une mission d'intrusion nocturne. Le Blenheim expérimenta les premiers développements d'un radar aéroporté et emporta le premier radar d'interception nocturne opérationnel. Il coula le premier U-boat et devint le seul avion de la RAF à servir sur tous les fronts, dans tous les commandements de la RAF. Et en ce qui concerne les équipages, leur bravoure fut sans égale. Mission après mission, ils portèrent la guerre chez l'ennemi dans des missions à la limite suicidaire, comme le montre le nombre de Victoria Cross
décernées à des pilotes de Blenheim, plus nombreuses que celles décernées aux pilotes de Spitfire et Hurricane réunis. D'aussi loin que je me souvienne, c'était le meilleur. Et tous les équipages de Blenheim vous le diront. C'était une machine absolument formidable. C'était un avion magnifique à piloter. Il pouvait tourner dans un mouchoir de poche, et c'était vraiment utile, surtout quand vous aviez des avions ennemis à vos trousses. Le Short Sunderland a été conçu en réponse à une spécification du ministère de l'Air pour un monoplan quadrimoteur indispensable pour remplacer en urgence les avions de patrouille maritime Singapour vieillissants. Il fit son premier vol en octobre 1937 et fut livré à la RAF moins d'un an plus tard. Les squadrons 230 à Singapour et 210 à Pembroke Dock furent les premières unités à en prendre livraison. Les premières réactions des équipages furent l'étonnement devant la taille incroyable et le fuselage spacieux. C'était quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais vu. Avec une envergure de plus de 35 mètres et une longueur hors tout de 28 mètres, l'engin mesure plus de 10 mètres de haut une fois sorti de l'eau. Le Sunderland marquait un grand progrès par rapport à ses prédécesseurs. Avec une vitesse maximum de 300 km/h, il était plus rapide de 100 km/h que le Singapour et il pouvait monter à plus de 1200 pieds par minute pour un plafond pratique de 20 000 pieds. En 1939, la RAF en avait 40 en service et alors que les hostilités suivaient leur cours, le Sunderland commençait les missions pour lesquelles il était idéalement conçu, les longues et ennuyeuses patrouilles maritimes au-dessus d'un océan sans fin. Le Sunderland a été décliné en 5 versions différentes au long de sa carrière dans la RAF. Il fut un des très rares avions à rester en service tout au long de cette période et le seul de la RAF à exécuter les missions en première ligne jusqu'à la guerre de Corée bien plus tard. Grâce à sa conception solide et ses grandes capacités d'emport, mais aussi son impressionnant armement, autant offensif que défensif, le Sunderland n'avait aucun rival. Adoré par ses équipages et hautement respecté par l'ennemi, le Sunderland est entré dans la légende et de tous les hydravions à voler pour la RAF, il a sans doute été le meilleur. Donc avec ces nouveaux avions à leur disposition et des plans de réarmement en pleine expansion, ainsi que l'ouverture de nouveaux aérodromes à travers tout le pays, la RAF ressemblait alors enfin à la force qu'elle devait être pour en remontrer à ses éventuels agresseurs. Pour les squadrons de chasse, il y avait peu de changements. Mais Sir Edward Ellington, toujours en avance sur son temps, décida que les biplans Gloster Gauntlet et Gladiator devaient être remplacés. Ellington était inquiet à propos de la situation en Europe. Hitler avait pris le pouvoir en Allemagne et, en dépit du traité de Versailles, avait formé la Luftwaffe avec un célèbre pilote de la Première Guerre mondiale à sa tête, Hermann Göring. La Luftwaffe possédait 1800 avions. Ellington prit la tête d'une équipe qui publia 3 spécifications majeures pour les futurs avions de la RAF, qu'elle considérait comme vitaux si la RAF voulait jouer un rôle dans la guerre qui semblait déjà inévitable. La première spécification concernait un chasseur rapide et manœuvrant, pouvant emporter un minimum de 8 mitrailleuses, c'est-à-dire le double des biplans d'alors. 2 constructeurs répondirent à cette spécification. Les 2 nouveaux avions utilisaient le moteur Merlin et allaient dans les années suivantes écrire leur propre chapitre dans l'histoire de la RAF. Hawker produisit le Hurricane, qui entra en service en 1937, et Supermarine, le Spitfire, bientôt légendaire, qui entra en service l'année suivante. Le Hawker Hurricane, conçu par Sidney Camm, fut le premier chasseur monoplan de la RAF et le premier avion de combat capable de dépasser 480 km/h en palier. Mais ce que le Hurricane rendait au Spitfire en termes de vitesse, il le gagnait en polyvalence. Le Hurricane était la synthèse de nombreuses années de conception de chasseurs biplans rapportées à une formule plus moderne,
un compromis de construction traditionnelle et de nouveaux équipements. Alors que le Spitfire, conçu par R.G. Mitchell, était à la fois d'une conception inspirée et l'aboutissement d'un lent processus d'évolution qui remontait au Supermarine S6B, qui avait remporté la Coupe Schneider et battu le record de vitesse. Ces deux avions connurent de nombreuses évolutions et variantes pendant leurs carrières opérationnelles, dont pas moins de 40 pour le Spit. Ces deux avions partageaient le même moteur, Rolls-Royce Merlin. Ils montraient de formidables capacités et, quel que soit le rôle et la mission qu'on leur confiait, ils s'en montraient dignes. Bien sûr, les pilotes avaient leurs préférences, mais ce qui était vraiment évident avant et pendant la guerre était qu'à partir du moment où ces deux avions étaient entrés en service, la RAF possédait deux avions de combat qui pouvaient apporter leur contribution dans n'importe quel conflit. La seconde des trois spécifications de l'équipe d'Ellington concernait le développement d'un bombardier lourd quadrimoteur, pouvant emporter une charge de bombes largement plus lourde que celle des bimoteurs alors en service. La troisième, enfin, était pour un bombardier moyen lourd aux ailes médianes et seulement deux moteurs. Mais à la différence de ses prédécesseurs faits de bois et de toile, ce nouvel avion devait être métallique. La menace d'une nouvelle guerre se précisant, il était temps pour cette aviation de profiter de ces nouvelles modifications structurelles pour faire évoluer sa propre administration. Ceci se traduisit par la division de la RAF en commandements séparés en fonction de leur mission. Un commandement chargé de l'entraînement fut formé, tandis que les groupes opérationnels étaient séparés en commandements chargés de la chasse, du bombardement et de la surveillance côtière. Il y avait également cinq commandements outre-mer de plus, Moyen-Orient, Méditerranée, Inde, Aden et Extrême-Orient. Tous ces commandements étaient sous la responsabilité du chef d'état-major via le Conseil de l'air. Chaque commandement contrôlait des groupes régionaux, lesquels administraient leurs propres bases, qui, à leur tour, administraient leurs escadrons. C'est avec cette structure que la RAF combattit pendant la Seconde Guerre mondiale. Les bases de la RAF, ou aérodromes, comme on les appelait alors, étaient passées de 52 à 138. Le 1er septembre 1937, Sir Cyril Newhall succéda à Sir Edward Ellington comme chef d'état-major. Il continua les plans de développement puisque la menace de guerre se renforçait, confirmée en 1938 par l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, avec l'assentiment de la population. Neville Chamberlain, le premier ministre de la coalition du gouvernement britannique, dans l'espoir de calmer la situation, s'envola pour Munich pour une conférence avec Hitler, Mussolini et Daladier. Il revint en Angleterre avec une déclaration devenue célèbre, signée par les quatre dirigeants et supposée garantir la paix pour un long moment. Bien peu de gens en étaient convaincus, mais ceci donna un peu de temps pour que le programme de développement puisse continuer. Il n'avait en effet pas encore atteint un niveau satisfaisant. Le rythme s'accéléra avec l'apparition d'un nouveau commandement, celui des ballons de barrage. Le corps féminin de la RAF fut également créé. La pire crainte du peuple anglais survint lorsque les Allemands envahirent la Pologne le 1er septembre 1939. Deux jours après que Hitler eut refusé de répondre aux ultimatums français et anglais, la guerre était déclarée. En septembre 1939, la puissance de la RAF était de 1476 avions en Angleterre et 435 stationnés outre-mer, ainsi que de 118 000 mobilisés et 60 000 réservistes. Comparé aux 3600 avions de la Luftwaffe et à ses 500 000 hommes, la confrontation s'annonçait rude pour la RAF. En plus de cette formidable opposition, la Luftwaffe comprenait 500 000 autres soldats en charge de la défense anti-aérienne. À l'ouverture des hostilités, le Bomber Command, sous la direction de l'Air Chief Marshal Sir Ludlow Hewitt, rassembla 33 squadrons constitués de Wellington, de Whitley, de Hampden, de Blenheim et de Ferry Battle. 10 d'entre eux furent envoyés en France pour faire partie de la force de frappe de première ligne. En Angleterre, les squadrons restants n'étaient pas considérés comme capables d'effectuer une offensive de bombardement efficace contre l'Allemagne. On leur donna deux directives par l'intermédiaire du cabinet de guerre. Les seuls engagements militaires viseraient les navires de guerre ennemis en mer. Les autres missions s'en tiendraient à des largages de tracts sur les populations allemandes.
Ces missions de propagande débutèrent immédiatement, avec les squadrons de Whitley, parfois épaulés par des Wellington. Tout ça de nuit. Les raids de largage de prospectus avaient également démontré que la RAF était capable de voler profondément à l'intérieur du territoire ennemi, aussi loin que Berlin ou Vienne. Mais il y avait un autre ennemi auquel se confrontait la RAF, en plus de la défense aérienne allemande, un ennemi qui allait hanter le Bomber Command tout au long de la guerre, l'hiver. Les pertes étaient lourdes, si lourdes en fait, qu'elles étaient considérées comme inacceptables. Les attaques du Bomber Command contre les navires de guerre allemands dès le lendemain de la déclaration de guerre se résumèrent à une attaque menée de jour par 10 Blenheim contre le croiseur de poche Admiral von Scheer et le croiseur Emden. Bien que ce fût une attaque courageuse, elle ne donna rien et 5 des Blenheim furent perdus. À cette époque, la RAF pensait que pendant les raids diurnes menés par les squadrons de bombardiers volants en formation serrée contre des navires, les mitrailleuses de nez et de queue de ces avions les rendaient invulnérables. Le résultat fut à l'opposé. Les chasseurs ennemis escortant les navires les abattaient en quantité. En moyenne, 10 bombardiers de la RAF étaient perdus pour 4 chasseurs allemands descendus. Le Bomber Command reconnut rapidement la nécessité de disposer de chasseurs d'escorte à longue distance si les bombardiers devaient continuer leur raid diurne. Mais il n'y en avait pas encore de disponibles à ce moment de la guerre. Le Coastal Command entama la guerre avec 3 groupes, Ouest, Est et Écosse, tous sous le commandement de l'Air Chief Marshal Sir Frederick Bowhill. L'arsenal de ce commandement était constitué de Hansen, Lockheed Hudson, d'origine américaine, de vieux bombardiers torpilleurs Wilderbeest, de Sunderland, London et Stranraers. L'ennemi, c'était les U-boats. Le troisième des commandements opérationnels de la RAF était sous la direction de l'Air Chief Marshal Sir Hugh Dodding. Pendant les premiers mois de la guerre, le Fighter Command s'était concentré sur le renforcement de ses escadrons. On estimait que la défense du territoire anglais nécessitait au moins 53 squadrons, mais elle avait commencé la guerre avec seulement 35. Ils étaient équipés de Hurricane, de Spitfire et de Gloster Gladiator. Pour faire face aux exigences, quelques nouveaux squadrons furent temporairement équipés de Blenheim et de Battles. Afin de satisfaire les besoins en équipage nouveau, on créa l'Empire Training Ship, avec le soutien du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de la Rhodésie, de l'Afrique du Sud, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie. Juin 1940, Hitler arrive sur les côtes de la France défaite. Il n'y a plus qu'un obstacle sur sa route pour l'invasion de l'Angleterre, la Manche. L'armée d'invasion d'Hitler devait traverser cette barrière maritime. L'armée anglaise essayait de se renforcer après ses lourdes pertes à Dunkerque. Les hommes étaient démoralisés. Armes et équipements avaient été abandonnés sur place. La Royal Navy était éparpillée sur toutes les mers du globe, protégeant les convois de navires des sous-marins allemands. La Royal Air Force avait été balayée en France. Elle avait perdu 450 avions et un nombre équivalent de pilotes avait été tués, portés disparus ou faits prisonniers. Hitler avait déclaré à son peuple que la Grande-Bretagne était une menace pour l'Allemagne, car la RAF et la Navy pouvaient continuer à combattre. Au début juillet, il dévoila ses plans pour supprimer cette menace et ordonna la préparation d'un assaut aérien et naval contre l'Angleterre. Pour assurer à ses troupes une traversée tranquille de la Manche, il ordonna à la Luftwaffe de détruire la chasse anglaise pour établir la suprématie aérienne. La Grande-Bretagne, avec des défenses affaiblies, se préparait à une invasion imminente. Si la Luftwaffe arrivait à ses fins et éliminait la RAF, toutes les tentatives de la Royal Navy d'attaquer les barges de débarquement sans couverture aérienne la laisseraient à la merci de la Luftwaffe et de la marine allemande. Le peuple anglais retenait son souffle. Et les premières attaques survinrent.
Des milliers de chasseurs et de bombardiers allemands attaquèrent les convois navals dans la Manche. Les attaques eurent l'effet escompté, faire sortir la RAF. La RAF arriva face à la Luftwaffe à 1 contre 10. Les plans allemands consistaient à tester les défenses aériennes britanniques et à l'obliger à puiser dans ses précieuses réserves. Les combats au-dessus des convois côtiers étaient âpres et coûteux pour les deux côtés, mais les pertes allemandes étaient plus importantes. Hitler avait sous-estimé la ténacité féroce des jeunes pilotes de la RAF. Il envoya ses bombardiers contre les ports anglais de la côte sud. Ce coin de l'Angleterre commença alors à ressembler un peu à l'enfer. La Luftwaffe continuait à subir de lourdes pertes, et bien qu'elle causât d'importants dommages aux convois maritimes et aux ports, ce n'était pas suffisant pour stopper les approvisionnements. La phase suivante fut de tenter de clouer la chasse anglaise au sol en détruisant les aérodromes et leurs pistes. Mais la RAF y était préparée. Bien que les aérodromes aient été durement touchés, de nombreux avions furent épargnés et la RAF put continuer le combat. Un des avantages dont la RAF disposait était de combattre au-dessus de son propre territoire et de ses côtes. De nombreux pilotes descendus, ayant évacué leur avion en parachute ou effectué un atterrissage forcé, étaient capables de reprendre le combat sans délai. La Luftwaffe n'avait pas cette chance. Ses pilotes étaient faits prisonniers ou alors disparaissaient dans la Manche quand leur avion était durement touché et qu'ils tentaient de regagner la France. Göring avait promis à Hitler que sa Luftwaffe allait nettoyer le ciel anglais des avions de la RAF. Il apparaissait alors que cette promesse était loin d'être tenue. Il donna de nouveaux ordres à la Luftwaffe. Elle devait non seulement attaquer les aérodromes, mais s'en prendre aussi aux zones industrielles dans une tentative d'enrayer la machine de guerre anglaise. La RAF fut durement touchée, mais en dépit d'importants dégâts dans les usines, la production continuait. Les pertes augmentaient pour les deux côtés. La RAF avait souffert. Elle ne disposait que de quelques centaines de chasseurs. Par comparaison, malgré de sévères pertes, la Luftwaffe avait toujours plus de 2000 avions. Il devenait donc évident que la RAF ne pourrait pas tenir bien longtemps. Mais la Luftwaffe ne connaissait pas la faiblesse de son adversaire.
car la résistance de la RAF ne faiblissait pas. En dépit des raids continuels contre les aérodromes, il redevenait opérationnel très rapidement. Sans se rendre compte que la RAF tirait en fait ses dernières cartouches, Hitler commit une erreur incroyable. Il ordonna de cesser les attaques contre les aérodromes et de concentrer les raids contre la plus belle cible, Londres. Grâce à ce répit inespéré, la RAF eut le temps de se regrouper et de se réarmer. Vague après vague, les bombardiers allemands écrasaient les villes sans défense, mais la pression n'était plus sur les aérodromes de la RAF. Le 15 septembre, au paroxysme de la bataille, des formations massives de bombardiers allemands surgirent sur les écrans radars. Alors qu'ils traversaient la côte vers Londres, la RAF fut alertée. Dans une zone qui faisait 100 km de long, 60 km de large et 8 km de haut, eut lieu l'une des batailles les plus décisives de l'histoire. La RAF relevait le défi de la Luftwaffe. Elle engagea à peu près tous ses chasseurs disponibles, bien que dominés dans un rapport de force de 1 contre 6. Les pilotes anglais volèrent et combattirent sans relâche la horde des bombardiers et chasseurs à croix noire. Ce fut une des heures les plus sombres de l'Angleterre, mais ce fut un des tournants de la guerre. Le 12 octobre, Hitler reporta définitivement son plan d'invasion. L'Angleterre était pour le moment sauvée. Les raids continuèrent pourtant nuit après nuit jusqu'à la fin de la guerre. Mais la puissance grandissante de la RAF était la garantie qu'Hitler ne serait plus jamais en position d'envahir l'Angleterre. Pendant la bataille d'Angleterre, seuls les pilotes de la RAF s'étaient interposés entre l'Angleterre et les nazis. Un des plus légendaires de ces héros fut Douglas Bader, un personnage impressionnant qui avait perdu ses deux jambes dans un accident d'avion avant la guerre. En dépit de son handicap, c'était un homme doté d'un sacré caractère. Il parvint par sa seule volonté à imposer à la RAF de le laisser voler lorsque la guerre commença. Il fut promu Flight Lieutenant au 222e Squadron lorsqu'il revendiqua sa première victoire aérienne en descendant un Messerschmitt 110 au-dessus de Dunkerque. En juillet 1940, il reçut le commandement du 242e Squadron, une unité démoralisée, composée principalement de pilotes canadiens ayant évacué la France. Bader avait des idées précises sur les tactiques de combat et réussit souvent à imposer ses idées au ministère de l'Air. Une de ses idées était qu'on infligeait de plus lourds dommages aux bombardiers allemands en employant de plus importantes formations de chasseurs. Ceci entraîna de chauds débats entre Mallory et le commandant du 11e groupe Kesspark. En septembre 1940, sa théorie fut mise en pratique et les formations Big Wings devinrent rapidement une procédure standard. Pendant la bataille d'Angleterre, il était constamment aux commandes de formations importantes de Hurricane et de Spitfire qui infligèrent de lourds dommages à l'ennemi. Bader reçut alors la DSO pour sa bravoure. Dès le début de sa carrière, Bader avait énoncé quelques préceptes importants pour les pilotes de chasse au combat. Il devait piquer dans les formations ennemies pour tenter de les disperser et toujours avec le soleil dans le dos. Ne jamais suivre en aucune circonstance un appareil ennemi endommagé pour l'achever, car c'était devenir à son tour une cible pour les chasseurs adverses. Un avion isolé est une cible facile. Le concept de Bader fonctionnait. Et rapidement, Lee Mallory commença à appeler le 242 Squadron l'escadron des désintégrateurs. En octobre 1940, Hitler reporta l'invasion de l'Angleterre et s'en prit aux villes anglaises. À ce moment, Bader commandait 5 squadrons.
En mars 1941, il fut promu Wing Commander et devint l'un des premiers Wing Leaders. Il remporta de nombreuses victoires au-dessus des côtes françaises. Le 9 août, il remporta la dernière. Il venait juste de descendre deux Messerschmitt 109 lorsque son avion fut attaqué et touché. Son avion en flammes, il sauta, perdant ses deux jambes artificielles dans l'action. Il se posa en territoire ennemi et fut fait prisonnier immédiatement. Anecdote amusante, les Allemands donnèrent par radio l'autorisation à un avion anglais de se poser en Allemagne pour apporter de nouvelles jambes à Bader. Mais l'ARF opta pour une autre méthode et profita d'un raid de bombardiers pour larguer d'un Blenheim les deux jambes artificielles. Bader, interné dans un camp de prisonniers de guerre, tenta de s'évader. Il fut repris et après plusieurs autres tentatives, il fut enfermé dans la forteresse de Colditz, camp spécial pour forte tête. Il y demeura jusqu'à la fin de la guerre. Libéré le 14 avril 1945, il retourna en Angleterre où il fut promu Group Captain et Commanding Officer de l'école de chasse de Tangmere. Lorsque la RAF effectua son défilé aérien au-dessus de Londres pour célébrer la victoire, Bader était à bord de l'avion de tête. Il fut l'un des plus grands personnages de la guerre et un des plus brillants leaders de la RAF. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la RAF ne fit pas qu'apporter une formidable contribution à la victoire. Elle participa également au développement des avions et de la technologie de l'avionique. Les premiers bombardiers lourds bimoteurs furent remplacés par des quadrimoteurs puissants, le Stirling, le Halifax et le superbe Lancaster. De nombreux avions utilisés par les combattants de la Seconde Guerre mondiale devinrent célèbres, mais bien peu étaient vraiment grands. Cette grandeur est une qualité qu'on ne peut pas de toutes pièces installer à bord, sur un plan ou sur les lignes d'assemblage. Un grand avion doit posséder cette touche de génie qui transcende, et par-dessus tout, de la chance d'être à la bonne place au bon moment. Il doit faire preuve de qualité de vol au-dessus de la moyenne, la fiabilité, la solidité et des capacités à combattre. Touche finale, il nécessite le petit plus apporté par les équipages. Le Avro Lancaster avait tout ça et bien plus. Son élégance donnait du plaisir à le regarder voler et son aérodynamique soignée participait à ses remarquables performances. Comme sur de nombreux avions, la base de sa conception était simple. Sa structure robuste était conçue idéalement pour la fabrication industrielle et ce fut indubitablement un des facteurs principaux de son succès. C'était également un bombardier remarquablement polyvalent. Et de tous les grands mythiques avions de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup pensent qu'il était le plus grand. La charge de bombes du Lancaster était impressionnante, 6300 kg en opération normale. Mais avec quelques modifications, il pouvait emporter la bombe Grand Slam de 10 tonnes. Quatre moteurs Merlin fabriqués par Packard équipaient le puissant bombardier, lui donnant une vitesse maximum de 430 km/h à 6000 mètres. Le légendaire Bomber Harris, commandant du Bomber Command, estima qu'il fut sans doute le plus important des bombardiers de la guerre, à la fois par ses performances et parce qu'il pouvait être incroyablement chargé de bombes sans qu'il ne se brise. Mais non seulement il emportait de très lourdes charges de bombes, mais il restait assez manœuvrant. Il avait également un taux de perte plus faible que n'importe quel autre bombardier. Et c'est sans doute la raison principale de sa popularité auprès des équipages. Il y eut aussi des Lancaster modifiés, capable d'emporter la bombe des raids anti-barrage, l'œuvre de Barnes Wallis, la bombe à ricochet. On a été les premiers à arriver, bien avant les autres. On a largué les mines, et elles ont explosé dans une grande gerbe d'eau, comme on s'y attendait. Le sommet du barrage s'est fissuré et de l'eau a commencé à passer au travers. Il y avait des voitures sur la route qui ont commencé à être submergées. Gibson a dit que c'était bon. On pouvait rentrer à la base et nous avons pris le chemin du retour. Sur les 19 avions du raid, deux avaient dû faire demi-tour suite à des problèmes techniques.
Et nous en avons perdu 8, ce qui est vraiment beaucoup. C'est aussi à cette époque qu'un autre formidable avion fit ses débuts, un qui prouva être un combattant vital pour la RAF grâce à ses capacités multirôles. Nombre des avions les plus importants de l'histoire sont nés non pas du résultat d'une spécification officielle bien inspirée, mais en raison de la conviction inébranlable d'un homme ou d'un groupe d'individus pour une idée révolutionnaire. Il n'y a pas de meilleur exemple que le De Havilland Mosquito, qui s'éloigna bien loin des spécifications officielles pendant le temps de sa conception pour aboutir en un magnifique appareil, peut-être le meilleur de tous. Avec la menace d'une guerre proche, les ingénieurs de De Havilland réalisèrent que l'industrie sidérurgique, mais aucune ne récompensait autant que celle que reçut Cheshire, peut-être l'un des soldats les plus courageux de la guerre. Sa carrière a commencé en juin 1940. Contre des cibles terriblement défendues, il démontra le courage et la détermination d'un chef exceptionnel. Il était toujours partant pour accepter des risques supplémentaires afin d'assurer le succès d'une mission. Défiant le formidable système de défense de la Ruhr, il larguait ses bombes généralement à une altitude plus basse que celle recommandée, uniquement pour obtenir de meilleurs résultats contre sa cible. Au-dessus de Cologne, en novembre 1940, un obus anti-aérien toucha son avion, causant de nombreux dommages et même un début d'incendie. Cheshire continua, bombarda sa cible et retourna à sa base. En 1943, il prit le commandement du légendaire 617e Squadron et commença son quatrième tour d'opération comme Wing Commander. Son impact sur l'unité est directement la conséquence de l'étude qu'il mena sur une nouvelle tactique destinée à infliger des dégâts significatifs sur des cibles de petite taille. Il inaugura un nouveau système de marquage de cibles en utilisant un avion marqueur qui précédait la force principale mais à plus basse altitude. Le nouveau système de Cheshire a coïncidé avec le développement de la bombe de 12 000 livres. Le premier raid fut mené contre les usines aéronautiques de Limoges le 8 février. Cheshire mena ses 12 Lancaster à travers les nuages, atteignant sa cible au clair de lune. Dans l'avion de tête, Cheshire descendit à 200 pieds au-dessus de l'usine et largua ses bombes incendiaires. En brûlant, elle diffusait une intense lumière rouge. Les autres bombardiers, derrière, à 7000 pieds, avaient désormais un point précis à viser, et le raid fut un succès complet. Cheshire comprit rapidement qu'il était urgent de marquer les cibles avec un avion plus rapide et plus manœuvrant que le Lancaster. Ce n'était qu'un de ses nombreux exploits. Il a commandé le 617e Squadron pendant une quarantaine de raids. Son engagement total et son leadership indéniable n'avaient d'égal que son inventivité. Il ne se reposait que sur son propre jugement, et les événements prouvèrent qu'il avait raison, mission après mission. Au total, il a mené 100 missions, et 100 fois il est parti, a largué ses bombes, affronté la flaque, combattu sa propre peur, sa fatigue et le froid, fait parler son habileté et son ingéniosité pour toujours regagner sa base. Il s'est consacré entièrement au commandement de son escadron, devenant un exemple de courage et de sang-froid pendant tous les combats, bombardant et mitraillant l'ennemi sans répit. Afin de marquer cet engagement et cette détermination, ce courage sur une si longue période, le roi George lui accorda une troisième DSO et une Victoria Cross. La citation disait « Le Wing Commander Cheshire conduisit son escadron en personne à chaque occasion, prenant toujours lui-même les risques les plus importants. » Le Spitfire et le Hurricane ont été déclinés en de nombreuses versions. Ils formèrent la colonne vertébrale du Fighter Command jusqu'à ce que de nouveaux avions viennent les épauler, le Typhoon et le Tempest. Ce ne furent pas les seuls avions que la RAF utilisa. Dans le cadre du plan Lend-Lease, les USA fournirent une grande variété d'avions. Le Curtiss P-40, le Thunderbolt, le Corsair, l'Avenger, le Air Cobra, le Ventura et le formidable Mustang.
Le Bomber Command prit livraison du Mitchell, du Marauder, du Boston et du Liberator. Le Coastal Command reçut des Catalina et des Hudson. Et sur les champs de bataille, l'ARF utilisa l'indispensable DC-3 Dakota. Afin de donner un aperçu complet des activités de l'ARF pendant la Seconde Guerre mondiale, une bibliothèque complète ne suffirait pas et des films tels que celui-ci ne peuvent que tenter de résumer en quelques minutes l'importance de ces exploits. Et ce n'est pas rendre suffisamment justice au formidable chapitre écrit dans l'histoire de l'ARF. Plus important encore, nous devons rendre justice aux dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont perdu la vie en écrivant cette histoire. En dépit que l'ARF ait perdu de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes courageux, en particulier ceux qui eurent la malchance de rejoindre le Bomber Command, ils furent toutefois plus nombreux à survivre, certains de justesse. Quand vous êtes à bord d'un chasseur et que vous êtes touché et qu'il prend feu, le cockpit est envahi par les flammes en quelques secondes. Quand un bombardier prend feu, il ne faut pas longtemps pour que les réservoirs fassent de même. De nombreux aviateurs ont souffert d'horribles brûlures pendant la guerre. Une association a formé un pont entre eux et nous, les membres du club des cochons d'Inde. On dit que le courage naît de l'adversité. Ces hommes en ont retiré une plus grande force, en dépit des blessures apparentes qui les défigurent. Une force qu'ils peuvent montrer fièrement à la nation. Une force qui est aussi un rappel du courage et de la détermination de la RAF. Si vous restez seul, c'est très dur. Mais n'oubliez pas que les membres du Guinea Pig Club qui sont passés par l'hôpital sont nombreux. Et quand on est ensemble, tous ces vieux jeunes hommes qui ont tous le sens de l'humour, on s'entraide. Car comme ça, on fait face à l'adversité, car on y puise notre force. Et ça marche. La plupart de ces hommes ont réussi leur vie là où on s'attendait à ce qu'ils échouent. Je pense que ça nous apporte une valeur fondamentale, le respect. Après la Seconde Guerre mondiale, la RAF est apparue comme peut-être la première force aérienne au monde. Pas forcément en taille, bien qu'elle ait atteint des totaux ahurissants, mais comme une armée de l'air ayant surmonté ses adversaires surpassés elle-même aux yeux du monde. La période d'après-guerre allait voir naître un nouveau type de puissance aérienne. Les règles de la guerre aérienne allaient être réécrites plusieurs fois dans les années qui ont suivi.